Previously on Real Cops. Vas-y, balance, elle est où la fille? On me l'a enlevée. Le plus important dans ce genre d'opération, c'est la discrétion. Sabine! Attention, c'est un piège! Merde. Oh, les losers. Fabrice. Mmh. Oh, Fabrice. Fabrice. Non, Fabrice. Ça va, vous? Puis on fait? Comme un gros porc, ouais. Bah ça va, c'est pas la peine d'être vexante. Fait deux jours qu'on vous court après, moi je suis claqué. Bon, c'est vous que mon père a envoyé pour me sauver, là? Non, nous on est les vétérinaires pour les girafes. Oui, évidemment que c'est nous. Unité 411, en chair et en os. Ok, et vous avez l'impression de me sauver, là, peut-être? Non, alors, attendez, Madame Marron, changez de ton. Alors, c'est mademoiselle, déjà. C'est vrai? Oui. Ouais, sympa. Bon, vous offusquez pas si je tente rien, hein, mais mon cœur est déjà pris. Je vis une histoire folle avec une de mes collègues de travail. Elle s'appelle Belloc. Super, et vous comptez faire quoi, exactement? On réfléchit. Ouais, on réfléchit. Alors, faut pas paniquer. Dans ce genre de situation, si on panique, on fait n'importe quoi. Exactement. Attendez. J'entends un bip bip. Oui, c'est ma chaise. Mais non, c'est pas votre chaise. Réfléchissez 5 minutes, s'il vous plaît. Oh putain, c'est sa chaise, mais je touche pas une bande. Calmez-vous. Oh, putain. Calmez-vous. Elle se déclenchera que si je me lève de mon siège. On se détend. Oh putain. Oh ça va alors. Comment ça va. J'ai flippé, sérieusement. Mais non, ça va pas. Vous allez me sortir de là et me retirer la bombe que j'ai sous le cul. Non mais ça va, on se détend. Elle explosera pas tant que vous vous levez pas, donc c'est pas la peine de se mettre dans cet état. Faut pas paniquer, sinon on fait n'importe quoi. Mais oui. On panique pas. Vous avez un tournevis cruciforme? Oh, la bonne idée. Oh, la bonne idée, comme ça on enlève la pile. Mais oui, mais oui. Devine. Ouais, quand même, quoi. Ah, nous voilà enfin tous réunis. Vous pouvez vous asseoir. Plus fort que moi. Bonjour. J'ai dit bonjour. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me répondre? Bonjour. Bonjour. Eh ben voilà, c'était pas si compliqué. Pourquoi je suis obligé de répéter 3 fois la même chose, hein? Pourquoi personne ne me respecte? Mais merde, quoi! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être pro sérieux? C'est parce que je suis joli, hein, c'est ça. Je suis mignon. J'ai des beaux cheveux. Les yeux, les lèvres, les ongles. Quand j'étais petit, on avait un lapin à la maison. La maman préférait toujours le lapin, moi. Ah, c'est moche. Je suis nul. Je suis insignifiant. Mais non, dites pas ça. Si. Chaque fois que j'essaie de vous appeler, votre chef et vous, eh ben vous n'avez rien à foutre de moi. Ah, mais c'était vous. Ah non, mais faut pas le prendre personnellement, monsieur. C'est qu'il fallait pas nous appeler quand on était occupés, c'est tout. Mais si, moi j'essayais à chaque fois de vous appeler, mais chaque fois que je vous appelais, ben, vous étiez toujours en train de courir après le nourrisson, le plus grand méchant de la ville. Alors moi je m'étais dit que si j'enlevais son otage, je susciterais votre intérêt, et ainsi, je deviendrais le plus grand méchant du monde. Le plus grand? Le plus grand méchant du monde! Le plus grand méchant du monde! Oh le con! Il est super con! Mais attendez là, c'est pour ça que vous m'avez enlevé? Pour devenir le plus grand méchant du monde? C'est nul. Naze. C'est pourri.
Pardon, pardon. Mais c'est vraiment pas terrible. C'est mal pensé comme plan. Et puis, de toute façon, pour être le plus grand méchant du monde, faut être américain. Russe, à la limite. Ferme ta gueule! Je suis un vrai méchant! Je déspire. J'ai une otage, là, prête à exploser. Et surtout, ma botte secrète. J'ai un colosse. Bon, j'avoue que la bombe sous le cul, c'est bien joué. Mais le colosse... Ouais, le colosse. Bah, disons que vous aviez un colosse. Gontran? Vous avez tué Gontran? C'est probable. Bon, allez, laisse-moi, allez, viens-moi tout ça. Allez, 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 fils, dépêchez-vous. Non, non. Et vous l'emmenez où, là? Non, mais faites quelque chose, laissez-moi pas comme ça, là. On va s'occuper de vous. Alors, vous? Je vous ai préparé une surprise de taille. Vous allez enfin apprendre à me respecter. Salut. On vous a jamais appris à frapper, bordel de merde! Pardon, chef, je suis désolé. Ça monte, ça, quand même! Je suis désolé, chef, mais je viens vous voir parce qu'il y a quelqu'un au téléphone qui arrête pas de crier, qui est super en colère, et qui dit « Oui, rendez-moi ma voiture, c'est inadmissible, ça va aller très très loin, cette histoire !» Apparemment, ce serait quelqu'un de chez nous qui lui aurait pris sa voiture. Bon. Bah, moi, je me suis dit « Je vais aller voir le chef. » Et je suis venu vous voir, chef, parce que je voulais vous... Chef, vous m'écoutez? Chef? Oh bah non, mais chef, j'ai pas l'impression que vous m'écoutez, c'est pas sympa. Bon bah vous inquiétez pas, je m'en occupe de cette voiture, je vais mener mon enquête, hein, parce qu'ici tout le monde me prend pour un con, mais je suis capable de retrouver une voiture. Et vous verrez, chef, vous serez fiers de moi. Salut. Et là, tu bois quoi? Un papillon. Ouais, pareil. Ça, c'est quoi? On dirait un crabe. Non. Un arbre. Non. Un homard avec une danseuse dans le cul. Fais voir. C'est un arbre. Salut. Oh putain, on t'a jamais appris à frapper la flèche? Bah, vous avez même pas de porte. Et alors? Tu te démerdes? Oh, vous êtes sérieux, les gars? Frappe, putain. Entrez. Salut. Si je vous dis Ford Mustang, ça vous dit quelque chose? Parce qu'on a son proprio qui veut la récupérer. Alors il dit que, bah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui le dit, que ce serait quelqu'un de chez nous qui l'aurait réquisitionné pour une arrestation. Bon, ben, bah, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Non, pas au courant. Mais ça ressemble bien à Rodriguez et Pinchon, ça. Vous avez pas des nouvelles d'eux, par hasard? Non. Mais t'inquiète pas trop pour eux, hein. Tu sais, la seule chose dangereuse qui peut arriver à Rodriguez et Pinchon, bah, c'est d'être Rodriguez et Pinchon. Ah, si, si, hein. C'est un homard avec une danseuse dans le cul. Salut les puceaux. Je vous présente mon armée. Les deux glands qui sont ici, ils sont avec moi. Et les trois qui sont avec nous? C'est le reste de l'arme. Et c'est tout? Ça fait 5 mecs, c'est pas une armée, ça. Pardon, mais... C'est pas une armée, c'est un régiment. Ouais, même pas, c'est une compagnie, quoi. Une compagnie nounette. Un régiment nounet. Non, non, c'est une bande de potes, ça. Bien fermé, oui. Bon, on va jouer à un jeu. Vous allez vous entretuer. Pardon? Je dis, vous allez vous entretuer. Ça aussi, c'est nul comme plan. Je vais quand même pas tuer Fabrice. Si, non. Si, si, tu vas tuer Fabrice, et toi, tu vas tuer... C'est comment déjà? Michel. Mich. Ouais, mais c'est con comme non, voilà, tu t'émuches. Enfin bon, vous avez compris, allez. Et si on refuse? Si vous refusez, je bute la grosse moche anorexique. Non mais attendez, c'est pas cool ça. Oh, pas cool, c'est bien ça. Alors moi je suis un méchant pas drôle et pas cool, voilà. Alors je vous assure, celui qui restera vivant parmi vous deux, je sais pas ce que je vais lui faire, mais je vous jure, ça sera pas cool, voilà. Bon, ma miche, a priori, on y est. C'est là que nos routes se séparent. Vas-y, Saul, bute-moi. Non, toi tu vas me tuer. Je peux pas te tuer. T'es beau, t'es jeune, t'es en pleine bourre. Moi je suis vieux, presque malade. Mais dis pas de conneries, t'es hyper bien pour ton âge, t'es encore super en forme. Et puis toi t'as tout, toi. T'as tes enfants, t'as ta femme. Elle est belle, putain, c'est un pétard. Hein? Elle est bonne, je sais pas comment t'as fait. Bref, vas-y, frappe-moi à mort. Mais je peux pas, Fabrice, je t'aime! Je t'aime! Mais moi aussi, je t'aime! Excusez-moi de vous déranger! Mais ça va, on cause! Moi aussi, je t'aime, t'es mon dragon!
T'es mon partenaire, t'es mon meilleur ami, je peux pas te faire de mal, je vais quand même pas te tuer. Eh oh, c'est bon là? Vous décidez maintenant, s'il vous plaît? Ouais, bah c'est pas une décision facile, ok? Bon, alors, les amoureux là, qui baisse qui? Enfin, je veux dire, qui tue qui? Mais personne ne tue personne! Non. Non! Ok, je compte à trois. Un! Il bluffe. Non? Deux! Non, c'est bon! Ok, on se tue. Tiens, ça me dégoûte. Alors tu vas frapper un grand coup là. Je vais rien sortir, ça va m'abattre. Comme un bœuf. Vous êtes pathétique. Toi, la vilaine, tu vas rejoindre les anges qui, eux, au moins, sont jolis. Trois. Y'a personne qui vole mon otage! Y'a personne! Maintenant, ça va chier!